Tapis rouge ce soir. Tapis rouge, ouais, bonjour, bienvenue en débranché. Tapis rouge, musique. Bienvenue en débranché, ce soir c'est tapis rouge. Ouais. Ce soir c'est tapis rouge. J'ai jamais eu le tapis rouge moi. Musique, oh là là, il y a des belles décorations. Il y a des belles petites beautés. Ouais. Et là, il y a des gens qui dansent, Pablo. On est dans un slow. Il y a des gens qui dansent. Bonjour monsieur. Bonjour. On est où? Alors vous êtes à Orp pour fêter le 30e anniversaire du Ham Family Dance Club, qui est un club de danse de Hammemille. Donc ça va danser ce soir. Et ça va danser, non seulement les invités, mais également on va avoir des démonstrations. Hello, it's me. On a un petit couple de jeunes qui va nous présenter de la contemporaine. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Ils sont où ceux qui vont danser là? Ils sont encore dans les loges pour l'instant, ils s'entraînent. Ok, on y va, on peut y aller? Ah, on peut y aller, oui. On y va, je vous suis. Il y a du monde, hein? Oui, il y a du monde. Oh, les gens sont sur leur 31. On va danser ce soir. On va danser, oui. Ouais. Ça, c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. Ah, il y en a qui sont là. Ah oui, ils sont là. Monsieur, c'est vous la compagnie Fusion? Non, je vois pas de quoi vous parlez. There's such a difference between us and a million miles. Vous dansez quel style? Du Fusion. C'est quoi du Fusion? Donc en fait, le principe, c'est vraiment un mélange. On a une approche de la danse qui est assez personnelle et on s'est imbibé un petit peu de différentes influences. Donc à savoir que Salena est dans une catégorie un petit peu plus académique. Donc Salena qui est là. Bonjour Salena. Bonjour Salena. Bonjour. Enchanté. Tu es plutôt académique toi? Oui, plutôt académique. Duo à la base, donc c'est vraiment, on l'a appelé Fusion parce qu'on fusionne dans les styles de danse. Donc quand je dis académique, c'est tout ce qui est discipline classique, jazz, contemporain, et moi je suis d'un univers un peu plus urbain, donc tout ce qui est hip-hop, breakdance. Vous appelleriez ça comment leur style? Acrobatique, sportive. Ouais. Apparemment, ils appellent ça fusion. Vous avez senti la fusion? Oui. C'est magnifique, superbe. Ouais. Ça vaut la peine de voir une fois autre chose que des danses de salon. Ouais, ici, c'est plus danses de salon, normalement, oui, les clubs. Oui, en principe, oui, mais c'est magnifique. Ça me fait penser un peu à des figures du patinage artistique. Ah ouais. Hello. It's me. I
was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but C'est pas facile à faire, s'ils font. Hein. Non, hein. C'est pire que du rock acrobatique, ça. Hein. C'est ça. Ouais. Hein. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une connexion à travers le mouvement et on s'est dit, OK, à force de travailler et de faire quelque chose, il y a quelque chose qui est né. Donc, du mouvement qui s'est créé, on a été chercher aussi des portes acrobatiques et on a fait de ce mélange un style de danse. Et du coup, ça nous a quand même amené loin parce qu'il faut savoir qu'on a, on a voyagé pas mal, on a fait des émissions télé, on a été deuxième finaliste de Belgium Got Talent, on a été champion du monde en Angleterre en exhibition, on est en Allemagne, on a fait pas mal de choses. Donc, ça nous a vraiment bien aidé et c'est quelque chose qui est à nous, quoi, on va dire. Hello. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were young and free. I've forgotten how it felt before the world fell in love. C'est nous et c'est ce qu'on veut transmettre à travers notre corps, à travers notre art, entre guillemets. Parce que la danse, c'est quand même un art, c'est un sport et c'est un art aussi. Tu as vu, tu remarques qu'elle n'était pas toute seule. Est-ce que tu sais la porter comme ça, genre Oui, mais pas de soucis, ouais. Sans qu'elle tombe. Et craper dessus. Ouais, c'est ça. C'est pas les seuls à fusionner. Il y a tout le monde qui fusionne ici, c'est ça. Ah ouais, ça fusionne bien, là. Mais la danse, je pense que c'est propice à la fusion, la danse. Qu'est-ce qui vous plaît dans la danse? Pourquoi aller dans un club de danse? Eh bien, dans la danse, c'est bouger et surtout la convivialité. C'est pas mal parce que moi j'avais l'impression que c'était surtout les femmes qui dansaient, mais il y a quand même pas mal d'hommes. Hein. Ah oui, ça c'est un problème. Ouais. Lorsque vous avez un club de danse et que vous faites un club solo, il n'y a vraiment que les dames qui viennent. Ah ouais. Pourquoi? Parce que souvent, le monsieur, il a envie de rester chez lui et la dame a envie de danser. Ah ouais, ouais. Voilà. After three, after four times, why did I bother? Tell me how many more times does it take to get smaller? Un grand, grand départ de fusion, apparemment. J'ai pas compris, ils sont sur la piste, mais on voit tout de suite qu'il y a du niveau. Il y a du niveau. Hey! Comme dans des branchers, on va vous apprendre la danse ce soir. Et la danse, c'est la vie. En tout cas, pour les gens qui sont ici, je pense que la danse, c'est la vie. Et peut-être pour vous. Ah oui, il y a de la vie partout. Ah ouais. On a environ 70 à 80% de dames qui dansent seules. Ah ouais, ouais, quand même. Par contre, les danses de salon, ce sont des danses pour couples. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est la différence. Et du coup, les dames, elles aiment quand même bien les hommes qui dansent. Du coup, c'est pas mal pour un homme célibataire s'il va dans un club de danse, normalement. Attention, un club de danse, c'est pas un club. C'est pas un club de rencontre. Ah non, absolument pas. Ça, il faut le dire. S'inscrire à la danse. Ah bah ouais. Dès que t'es fille, Le monsieur a dit que c'était pas un club de rencontre, Pablo. Ouais, on s'arrangera. Non, tu dois arriver avec une madame. Tu trouves une madame et tu viens avec ta madame. C'est quoi comme danse, madame? La danse en ligne. Danse en ligne? Danse en ligne. Ok. Et ça va avec toute la musique, en fait, la danse en ligne? J'en sais rien. Sans doute. Apparemment. Voilà.
Et vous, vous dansez quoi d'habitude? Rien. Vous n'êtes pas danseuse, vous? Ah, mais non, je débute. Bon, allez, vous connaissez allez, tous les pas. Ah, oui, mais c'est pas difficile, ça. Non? Non. Ça, c'est la base de la danse en ligne. C'est la base de la danse en ligne. Ok. C'est danse en ligne, ça, monsieur? Oui. Oui. Et vous, c'est votre danse habituelle? Non. Non. Vous dansez quoi, vous, d'habitude? Les danses de salon, danse sportive. Danse sportive? Oui. C'est une grande famille, la danse, en fait. Et certainement. On peut dire ça, oui. Oui, tout à fait. Parce qu'on m'a dit que vous étiez pas mauvais, hein. Oui, vice-champion du monde. Quand même. Voilà. Ouais, ouais, on a des vice-champions du monde. Bon, pour le moment, il se chauffe avec la danse en ligne. Mais après, ça va monter. Hein. On a une alternance de des gens, des clubs. Il y a plein de clubs de danse qui sont là, en fait. Et donc, ils se font plaisir. Et alors, il y a des super pros qui viennent faire des démos. Ouais. Et les champions du monde, ils sont même pas dans les démos. Ils sont là, dans, comme ça, incognito. On vient danser, on vient s'amuser. On est vice-champions du monde. Ouais. Nous aussi. Ouais, ouais, nous aussi. Il va y avoir du show ce soir. Il va y avoir du show. Ouais, ouais, ça va fusionner. Pablo. Ah oui. J'ai trouvé un ancien. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous dansez la danse de salon? Je danse la danse de salon, effectivement, depuis de très nombreuses années, puisque j'ai presque 81 ans et j'ai commencé à 12 ans en région namuroise. Pablo, oui. J'ai trouvé des professeurs. Vous êtes professeur? Oui. Mais vous êtes un couple de professeurs? Oui. C'est bien ça. Un vrai couple ou juste un couple de professeurs? Un vrai couple. J'ai l'impression que c'est un peu la mode, hein. Peut-être pas pour les tout jeunes, mais c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui dansent la danse de salon, non? Il y a quand même assez bien de personnes, oui. Mais c'est pour tout âge, hein, de toute façon. Chez nous, on a quand même des jeunes, mais je vais dire à partir de 18-20 ans. Okay. On n'a pas des tout petits. Et ça va jusqu'à quel âge? Allez, 77 ans, on va dire. De 7 à 77 ans, donc. On a eu un couple, le cavalier avait 90 ans. Donc, sa partenaire en avait 85, donc ils ont arrêté. Ils ont décidé, après 90 ans, ils ont dit ça suffit. On peut danser jusqu'à quel âge, la danse de salon? Ah, jusqu'à 110 ans. C'est vrai? Oui, parce qu'à 111 ans, je serai mort. Bon, on a trouvé l'âge plus ou moins maximum, 90 ans. Donc on peut déjà y aller, il y a de la marge. N'hésitez pas, il y a un site internet pour le club, si vous voulez vous lancer. Tout le monde peut faire la danse de salon? Tout le monde peut faire de la danse de salon. Ouais. Oui. Ça s'apprend, il n'y a pas de souci. Ça s'apprend. Allez-y, allez voir sur leur site. Pablo! Bonjour monsieur. Bonjour. C'est quoi la cop danse là? Le cha-cha. Cha-cha? Ouais, le cha-cha. Ça fait partie des danses de salon, ça? Ah, ou pas? Oui, danses de salon. Il oui. Y en a 10 les danses de salon, c'est ça? Oui, il y a 10 danses de salon, exactement. Pourquoi la danse de salon, vous? Ah ben, parce que c'est une tradition. On dit danse de salon parce que c'est bien spécifique dans les pas, dans les figures. Et alors, il y a des figures bien déterminées avec, avec sa partenaire. Et ça a l'air de tenir en forme, hein, la danse, en fait. Oui, il y a pas mal de jeunes qui viennent. Et on essaye de revoir un petit peu, avoir de plus en plus de jeunes pour revenir dans la danse de salon et passer de bonnes soirées.
Nous allons accueillir Yuri et Carla. On est toujours au gala des 30 ans du Ham Family Club de danse. Je n'ai peut-être pas dit dans le bon ordre, mais l'idée, c'est ça. Et entre les danses, eh bien, il y a les spécialistes qui font des démonstrations. Il y en a deux qui sont en train de se préparer là-bas. On va voir si on peut les déranger. Yuri et Carla, la piste est à vous. Vous vous appelez comment? Yuri. Et Carla. Vous faites quel style de danse, vous? C'est D-dance, Latin et Ballroom. D-dance? D-dance, oui. D-dance différentes? Oui, oui, D-dance différentes. Et vous allez nous faire 10 danses différentes ce soir, là? Oui, oui. Con questa musica che canto senza te. Ma il mio teatro è vuoto e questa folla è muta. C'est ce qu'on appelle les danses de salon, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Exactement. Et je pense que vous avez un certain niveau, non? Vous êtes. Oui, on était champion du Belgique. Pour ça, non ti ho scordata, e fino ieri musica è stata. Ed è per questo che io che non ho mai finto, da solo mi son chiesto. Dites monsieur, vous les avez vus tout près vous, j'ai l'impression, hein? Oui, tout près, oui. Ça fait un peu peur? Non, 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 on a l'habitude. Vous connaissez, vous dansez aussi la danse de salon? Oui, oui. Ouais. À Wavre. C'est du bon niveau, là? Oui, c'est du très bon niveau. Oui. Ouais. Moi, je ne fais pas ça, moi. Vous faites quoi, vous? Comment? Moi, je fais ça, mais beaucoup moins bien, voilà. Amore, on voit que c'est des pros. Oh, à leur façon de faire, à leur énergie surtout. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air facile en fait, non? Ben ça y est. Per quanto fiato avrò, la voce, l'animale, tutto quel che ho. Non, c'est dur. Pour tenir le coup comme ça, il faut de la résistance. Ouais. En général, souvent, ils s'arrêtent un petit peu entre deux danses, d'ailleurs. Même si ça ne dure que deux minutes, c'est très dur. Ah, surtout d'être en couple. Hein? Bon, maintenant, comme vous l'avez vu, il y a des danses solo. C'est la vie moderne qui veut ça. De nombreuses personnes sont séparées, divorcées, etc. Et voulaient quand même continuer à danser. Donc, on a appris toutes des danses classiques, mais à danser tout seul. Tandis que moi, je suis de la vieille école, je veux danser en couple. Est-ce que vous êtes, si ce n'est pas indiscret, aussi un vrai couple dans la vie ou juste un couple oui, de danse? Oui, oui. Un vrai couple. Oui. C'est important, c'est mieux? C'est mieux quand on est un vrai couple? Je ne sais pas. Pas toujours. Oui. On se dispute moins. Ça aide. Ou plus. Oui. Ou plus. Moi, ça marche bien, ça marche très bien. Alors, ouais.
Ça demande beaucoup de travail, j'imagine, d'être champion de Belgique. Oui. C'est votre boulot, vous êtes professionnel de la danse. Maintenant, nous avons un club de danse, oui, de nous. Il y a aussi des portées, comme on a pu voir avant. Vous portez madame. Ah non, 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 c'est... C'est interdit de porter. Oui, oui. Il y a une autre catégorie en show dance. Ah ouais. Et quand c'est possible, mais pour nous, c'est pas possible dans les normales classes. Donc. Il y a des règles. On ne porte pas. Oh, c'est dommage. Il faut rester une jambe par terre. Toujours une jambe qui touche le sol. Oui. Ah ouais. Oui. Toda la alegría de mi vida se llevó. Quiero confesar en mí también que era la pena de su amor traicionero que un día me dejó. Avec ça, il a un succès de fou auprès des filles, un danseur comme ça. C'est pas très à la mode, ça vient de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, qui viennent au club. Oui, ouais, il paraît. Oui. Vous croyez que ça s'explique par des émissions comme Danse avec les Stars, des choses comme ça? Bien, possible. Mais c'est vrai que nous, on a même un jeune couple de... Lui a 13 ans et elle a 16 ans. Allez. Ça revient à la mode. Ça revient un petit peu à la mode. Et alors, on a beaucoup de jeunes couples qui commencent par faire l'Europe et qui se laissent emporter dans l'ambiance du club. Hein, parce que c'est pas seulement la danse, c'est une ambiance aussi. You're not there. I gave you my love, but just was I right? Was I wrong? Give me some. What is love, baby? Don't hurt me. Don't hurt me. Vous sentez un regain pour la danse avec des émissions comme Danse avec les Stars ou Incroyable Talent, des émissions comme ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Cette année-ci, on a une très très belle rentrée au niveau des élèves débutants. Je ne sais pas si Danse avec les Stars y est pour quelque chose, mais moi j'en ai l'impression parce qu'on avait quand même une moyenne d'âge qui était, je vais dire, passé la cinquantaine. Maintenant, avec les jeunes qui nous ont rejoints, on est dans la trentaine. Et on est passé sur 3 ans d'une septantaine de membres à cette année-ci 104 membres. Ça vous apporte quoi, vous, la danse? Oh, ça nous apporte des relations sociales. Et puis c'est un sport aussi. Hein. Oui, c'est un sport. Moi, il y a des choses que je fais uniquement pour le sport. Parce que j'ai besoin d'exercice, j'ai 67 ans, il faut que je fasse de l'exercice. Et des danses solo, par exemple, on était en couple, mais les danses solo, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus art. Et là, on fait de l'exercice, oui. A pillow for my head, I got a pencil full of lead, some water for my throat, I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbine heater, oh, and now it's getting on the road, so they get you. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a un renouveau de la danse avec des émissions comme Danse avec les Stars ou Incroyable Talent? Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la danse ou pas? Vous voyez ça, vous qui êtes dans des clubs? Ça dépend. Il y a beaucoup des jeunes, ouais, et beaucoup des plus vieux. Ah oui. Mais entre les 30 et 40 ans, il y a pas des beaucoup de gens. Hein. I don't know. What can I do? What can I say? Bye.
de savoir danser, ça aide avec les femmes. Oui, je crois. Ouais. Je crois. Un bon danseur trouvera toujours une partenaire. Ah oui. Tu vois, Pablo ? Ah ouais, il faut danser. Faut danser. Cuánto sufre el que tiene más de amor, viviendo de los sueños, soñando en nada más. Cuánto sufre el que tiene más de amor, el que ha perdido todo y tiene que llorar. Quittez là-dessus les amis. Là on est repassé à la danse en ligne, on voyage. J'espère que vous avez découvert Un beau voyage. Ah, on a fait un beau voyage, effectivement. N'hésitez pas à vous lancer dans la danse, ça tient jeune et c'est assez festif. Allez, c'est et, parti. Et, ils se mettent tous sur la danse. C'est le sirtaki. Bah, on va y aller sur le sirtaki, nous. On vous dit à la semaine prochaine les amis. Et vive la danse. Vive la danse et toutes les danses. Et ciao là-bas. Et vive le club de la mille. Ciao ciao. Ciao ciao. Voilà.